Je vous demande you de recevoir à cet hôtel la révérende Tania Ouattara. Fait partie des étapes de ta gloire. Ce n'est pas encore fini, l'histoire n'est pas terminée. Oh oh oh. Parfois tout monde que c'est fini. Cela fait partie des étapes de ta gloire. Il n'a pas encore fini, l'histoire n'est pas terminée. Parfois tout montre que c'est fini. Cela fait partie des états de ta gloire. Est-ce qu'on peut dire ensemble, ce n'est pas encore fini. L'histoire n'est pas terminée. Parfois tout montre que c'est fini. Est-ce qu'on peut l'en dire encore? Ce n'est pas encore fini. Non, 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 non. L'histoire n'est pas terminée. Oh, 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 oh. Cela fait partie des états de ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame Jésus pour tes cris de joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux honorer le Seigneur pour le bishop. I want to honor the Lord for the bishop. Pour mon pasteur. For my pastor. Pour mon époux. For my husband. Cet homme formidable que Dieu m'a donné. The wonderful God, man that God gave me. Il est mon formateur. He is my trainer. Alléluia. Amen. Et quand le formateur est là, when the trainer is there, c'est pas facile. It's not easy. Amen. Mais je veux qu'on acclame Dieu pour lui. Let's celebrate God for him. Amen. Merci papa pour l'honneur. Thank you Father for the honor. J'honore Dieu pour vous. I honor God for you. Que le Seigneur ne cesse de vous bénir. May the God bless you. Et que ce que Dieu a décidé pour vous se réalise au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette année est l'année de ta domination. I declare that this year is the year of dominion. Tu es inarrêtable. Tu es inarrêtable. Tu es inarrêtable. Dans ton entreprise, tu es inarrêtable. Dans ta famille, tu es inarrêtable. Partout où tu passeras, tu es inarrêtable. Parce que l'Éternel est avec toi. Et avec Dieu, nous ferons des... Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. God bless you. Take a seat. Amen. Amen. J'aimerais qu'on adore le Seigneur quelques minutes. I like how to worship the Lord for a while. Il a dominé la mort et l'enfer. Étant assis, déclare-le. Le Seigneur Jésus. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons. Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que. Oh, il a dominé. Christ a dominé. Que vainqueur.
Christ a dominé. Christ a dominé. Je prie que tu parles à des vies. I pray for you to speak to lives. Je prie que la foi de quelqu'un soit boostée. I pray for the life of the faith. Et après ce message, and after that message, que quelqu'un parmi nous may somebody among us passe à un autre niveau de sa conversion, move to another level of his conversion, passe à un autre niveau de sa gloire, move to another level of his glory, passe à un autre niveau de domination, move to another level of dominion, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Ce moment est béni. The time is blessed. Est-ce que quelqu'un peut crier amen. 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 Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alléluia. Amen. Le thème de cette année 2024, the topic of this year 2024, c'est la domination. A dominion. Et je prie que quelqu'un au milieu de nous domine dans son environnement, domine dans son entourage, domine dans son entreprise, domine là même où on a dit qu'elle n'allait pas dominer, domine là où on a dit qu'elle n'allait pas réussir. C'est l'année où tout est mis en mouvement par Dieu et par les déclarations de ton Père spirituel pour que ta vie soit une vie de témoignage. Si cette année tu n'as pas dominé, if you didn't have dominion this les year, années qui viennent, je ne suis pas sûr que tu vas dominer. I'm not sure that you dominion. C'est le moment de t'affirmer. C'est le moment de prouver au monde que toi aussi tu es. C'est le moment de prouver à la terre que toi aussi tu es. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né pour finir dans l'anonymat. You're not born to finish tu n'es pas né pour finir avec quelques mille francs, 500 000 francs. Des petits jetons. Just coins. Mais tu dois quitter cette terre en laissant un héritage aux enfants de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Si Jésus est mort à la croix, c'est pour que toi aussi ton histoire, c'est pour que toi aussi ton témoignage soit raconté de génération en génération. Je me tiens à cette chair et je parle avec aise pour dire que Jésus peut changer la vie de quelqu'un. Tout Dieu m'a retiré. C'était pas évident que ma vie soit une vie de témoignage. Mais quand j'ai compris la parole de Dieu et que je me suis positionné et que je suis entré dans la parole de Dieu pour respecter les principes de Dieu, j'ai vu comment l'Éternel a changé ma destinée. Je parle à quelqu'un, je déclare, Jésus changera ta destinée. Jésus changera ton histoire. Jésus changera ta destinée. Si tu le crois, dis alléluia. Say alléluia. Amen. Depuis la création, since the creation, le désir le plus ardent de Dieu, the hardest desire of God, c'est de voir ses fils et ses filles dominer. His daughter and son to have dominion. En Genèse 1, 28, in Genesis 1, 28, il est dit it is said, que le Seigneur a béni l'homme, the Lord has blessed le man, Seigneur a béni la femme, also blessed the woman, et il leur a dit, and he told them, soyez féconds, be fruitful, multipliez la terre, and multiply. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, the blessing of God, je le disais aux femmes, yeah, to the women, n'est pas seulement pour les hommes. Not only for men. La parole a été donnée pour les hommes et pour les femmes. The word is given to men and women. Dieu nous dit, soyez féconds, God said, be fruitful, multipliez, and multiply, remplissez la terre, feed the earth, et la sujettissez, subjected, et dominez sur les poissons de la mer, and have dominion on fish, sur les of oiseaux earth, du ciel, on the bird of et heaven, sur tout animal qui se meut sur la terre. Any moving animal Dieu on earth. Même t'a béni depuis la création, God has blessed us in the pour creation, que tu puisses dominer, for you to have dominion, et contrôler tout ce qui est autour de toi.
toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? L'objectif de Dieu est que tu sois fécond. Est que tu fasses beaucoup de petites personnes comme toi. Est que tu fasses beaucoup d'entreprises comme toi. Est que tu te fasses beaucoup d'argent. Tout ce que Dieu te donne, l'objectif est que tu le multiplies. The purpose is to multiply. Dieu t'a donné 1000 francs. God has given 1000. Multiplie ces 1000 francs pour qu'ils deviennent 100 000. For that to become 100,000. Dieu t'a donné 100 000. God gave you 100,000. Multiplie ces 100 000. Multiply them pour qu'ils deviennent des millions. For them to become millions. Tu n'es pas né pour avoir des petites choses. You're not born to have small things. Tu es né pour contrôler la terre. You're born to control tu the earth. Tu es né pour dominer la terre. You're born to have dominion on earth. Dominer, c'est montrer qu'on est plus fort qu'une situation. Dominion to show that we are stronger than situation. Tu es né pour de bonnes choses. You're born for good mais things. Pendant que Dieu t'a béni, but as God bless you, la Bible déclare quelque part the Bible says somewhere, que le diable, that the devil, notre adversaire, our adversary, rôde autour de nous turning around us, dans l'objectif de dévorer. In a purpose to devour. Quand j'ai lu ces deux versets, when I read the two verses, j'ai compris que nous sommes en combat perpétuel. I understood that we are fighting endlessly. Tu ne peux pas vivre ta vie you cannot lead the life comme quelqu'un qui n'a pas d'adversaire. Somebody who doesn't have any adversary. C'est vrai, Dieu t'a béni. True that God bless you. C'est vrai, Dieu a déclaré des paroles sur toi. True that he declared word on you. Mais je peux dire malheureusement pour toi, il y a un adversaire qui veut te dévorer. An enemy want to destroy you. Il veut dévorer tes biens. He want to devour your il veut dévorer tes enfants. He want to devour il veut dévorer tes projets. He want to devour il veut dévorer tes rêves. He want to devour your dreams. Je veux mettre dans ton esprit ce matin to put in your dream this morning que ton premier cri sur la terre your first shout on this earth a annoncé au diable, announce to the devil, a annoncé aux anges announce to the angels, qu'il y a quelqu'un qui est né. Il y a quelqu'un qui est là. That somebody is there. Et pendant que tu es né, and as born, il y a un combat dans ton environnement. There is a battle in your environment. Tu n'es pas né pour rester statique. You're not born to remain quiet. Il faut que l'adversaire, le diable, the adversary, the devil, sache que tu connais tes droits en Christ. Must know that you know your rights in Christ. Et il faut que ton adversaire, le diable, and your adversary, the devil, soit mis à sa place au nom de Jésus-Christ. Be put in his place in the name la Bible of Jesus. Déclare the Bible declares que le Seigneur t'a donné l'autorité. That the Lord has given you the il t'a donné le pouvoir he gave you the power de marcher sur les serpents, to walk on snakes, sur les scorpions scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. And all the power of the enemy. Pendant que l'objectif du diable est de te dévorer, the purpose of the devil Dieu t'a déjà you, donné la solution. God always gave you the et solution. La solution, c'est que tu as la victoire. And the solution that you have la the solution, c'est que tu as l'autorité. The solution that you have the la authority. Solution, c'est que tu es capable de dominer toute réalité qui est plus forte que toi. You are able to dominate ce matin, je parle et je déclare I'm speaking, I'm que tout adversaire qui travaille contre toi any enemy ne t'aura pas you. Au nom de Jésus-Christ. Tu es déjà né pour dominer. Tu es déjà né pour être fécond. Tu es déjà né pour multiplier. Tu es déjà né pour assujettir. Le diable, son rôle dans ta vie, c'est juste de mettre des bâtons dans les roues. Mais je déclare que l'Éternel est avec toi pour marcher sur le serpent. Le Seigneur est avec toi pour marcher sur le scorpion. Dans ce combat perpétuel, je te vois plus que vainqueur. I see you're more than conqueror. Dans ce combat perpétuel, battle, je te vois plus que vainqueur. You're more than overcomer. Les esprits de la maison de ta famille ne te dévoreront pas. Je you. Le déclare au nom de Jésus-Christ. La maladie que le diable a mise sur ton chemin ne te dévorera pas. Je parle au nom de Jésus-Christ et je déclare que tu ressors victorieux. Tu ressors victorieuse. Tu ressors grand de ce combat. Satan est là depuis que nous sommes. Satan is that thing we are. Et toi et moi and you and I, qui avons compris que notre vie est une vie de combat, nous n'allons pas laisser le diable agir dans notre vie. L'Éternel sauvera nos vies. The Lord will save l'Éternel our lives. Sauvera nos enfants. The Lord will save our l'Éternel children. Sauvera nos acquis. The Lord will change. L'Éternel sauvera nos biens. It will save our si il y a quelqu'un auprès de toi, Satan ne te dévorera Satan pas. Will not devour you. Est-ce que tu le dis avec autorité? Are you saying it with authority? Satan ne te dévorera Satan pas. Will not devour you. Il ne dévorera pas ce qui est à toi. Will not devour what belongs parce to que you. Tu es caché dans le sang de Jésus. Because you're hidden in the blood of Jesus. Mon thème ce matin, my topic this morning, c'est comment dominer dans l'adversité. How to have dominion in the adversity.
Dieu t'a donné des paroles. God gave you words. Dieu t'a donné des promesses. God gave you promises. Dieu a dit tellement de belles choses sur toi. God says so wonderful things on you. Mais tu vois le contraire. But you think that's the contrary. Tu n'es même plus sûr à un certain moment. Sometimes you're not even que sure. C'est Dieu qui t'a parlé. That God who spoke to you. Je viens te dire I'm coming to tell que you ces rêves que tu as eus that your dream that you viennent de Dieu. Are from God. Les promesses que tu lis dans la Bible the promise that you have in ne the sont Bible pas seulement pour les autres. Are not only for others. Ces promesses sont également pour toi et moi. The promises are for you tu n'es pas né pour souffrir. You're not born to suffer. Dieu ne t'a pas créé spécialement God didn't create you specially pour souffrir. To suffer. Mais il a un plan parfait et glorieux pour ta vie et pour ta destinée. He has a perfect and glorious est-ce que tu peux me dire Amen? Say Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'à présent? Comment dominer dans l'adversité? La première chose, the first thing, c'est d'être sobre, is to be sober et de veiller. And awaken. 1 Pierre 5, 8. 1 Peter 5, 8. Soyez sobre et veillez. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les méchants ont toujours existé. The wicked have already existed. Les méchants, c'est les sorciers. Wicked are sorcerers. Les méchants, ce sont ceux qui ne veulent pas vous voir prospérer. Wicked don't want to see you prosperous. Les méchants, ce sont les personnes autour de vous. They are people around you qui combattent votre destinée. Who fight your destiny. Mais la première chose, but the first thing, ou le premier caractère, the first qu'il faudra avoir that you must have dans l'adversité in adversity, c'est être sobre. Is to be sober. Être sobre, c'est être vigilant. Be sober is to be careful. Être sobre, c'est être sage. Be sober is to be wise. Être sobre, c'est avoir les bonnes stratégies. Be sober to have a good strategies. Quand il faut arrêter le méchant. When you have to stop the wicked one. Être sobre. Being sober. C'est être sage, comme je l'ai dit. Is to be wise, as I et said, avoir la bonne attitude. And to have a good attitude. Pour ne pas que tu sois déstabilisé. Not to be unsettled. Combien de fois des personnes se sont levées contre nous? How many times people rose against us? Combien de fois des paroles ont été dites sur les réseaux sociaux? How many times words were said on the social nous media? Servons Dieu, je disais aux femmes. We're serving God, I said yesterday. Quand on a commencé à servir Dieu, when you started serving God, j'avais 20 ans. I was 20 years old. Je n'avais pas de mari. I didn't have a je husband. N'avais pas d'enfant. Didn't have children. Aujourd'hui, 24 ans plus tard, 24 years later, j'ai un époux. I have a husband. J'ai des enfants. I have children. Si on n'avait pas été sobre, if we were not sober, arrivé à un moment donné, at a given time, je suis sûr qu'on allait fuir. I'm sure that we'll run away. Quand tu es dans un combat, when you are in a battle, la première chose à avoir, the first thing to do, c'est la sagesse, is to be wise, et le calme, and be quiet. Plusieurs personnes ont perdu les batailles, many people lost the battles, parce qu'ils ont manqué de sagesse, because they lost wisdom. Plusieurs personnes ont perdu des batailles, many lost battles, ont perdu des combats, lost their fights, parce qu'ils ont manqué de sagesse, because they lost wisdom. D'autres personnes ont perdu leur emploi, others lost their job, quand leur patron est devenu leur ennemi, when the boss become their enemy, parce qu'au lieu d'agir ils ont préféré faire des histoires. They decided to quarrel. La sobriété being sober doit te pousser à être sage quand il y a une situation. Shall urge you to wisdom même quand tu entends une information pour te déstabiliser. Even if you have a new to toi, reste calme dans ton coin. Remain calm in your toi, corner. Reste calme parce que celui qui est avec toi remain quiet because the one with est you plus grand que celui qui est dans le monde. Is greater than the one in toi, the world. Reste calme et reste en prière. Remain quiet and pray. Parce que quand Dieu va se lever, because when God will rise, l'on dira assurément people will say that surely, que l'Éternel est avec cet homme. Lord will be him. Assurément surely, que l'Éternel est avec cette femme. Lord will be that wise. Si tu n'es pas sage dans un combat, if not wise in the battle, je t'informe que tu vas perdre le combat. I'm letting you know that you lose the battle. Il existe des femmes we have some women qui ont perdu leur foyer who lost their womb, par manque de sagesse for lack of wisdom, quand elles étaient dans le combat. When they were in the fight. Ce matin, je parle à quelqu'un this morning, I'm speaking to et somebody. Je déclare que la sagesse de Dieu t'habite. I'm declaring that you quand have tu seras God, dans le combat, when you'll be in the battle, que le Seigneur te donne la stratégie, the Lord give you the strategy, dans le calme, in the quietness, que le Seigneur te donne la sagesse, the Lord give you the wisdom, afin que tu puisses affronter les situations de ta vie for you to face the situation et ressortir plus que vainqueur. And come out more than conqueror. La Bible déclare the Bible declares que le début de la sagesse, the beginning of the wisdom, c'est la crainte de l'Éternel. The fear of the Lord.
Quand on craint l'Éternel, when we fear Lord, on ne vacille pas. We don't waver. Quand on craint l'Éternel, when we fear the Lord, on a la maîtrise de soi. We are the mastering of ourselves. Quand on craint l'Éternel, when we fear the Lord, on écoute sa voix. We listen to his on voice. Ne fait pas ce qu'on a envie de faire. We don't want what we will. Tu dois être sobre. You have to be sober. Quand tu es dans un combat spirituel, when you are in a spiritual warfare, déclare avec moi. Declare with me, Papa. Daddy. Donne-moi d'être sobre. Allow me to be sober. Papa. Daddy. Donne-moi d'être sobre. Allow me to be sober. Donne-moi d'être sobre. Allow me to be sober. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Ton calme et ta tranquillité. Your quietness and tranquility. Effraieront tes ennemis. Will frighten your enemies. Imagine tu as une histoire avec quelqu'un. Imagine you quarreling with somebody. Il ne sait pas ce que tu penses. He doesn't know what to think. Il ne sait pas ce que tu as dans le cœur. He doesn't know what to have in the heart. C'est sûr qu'arrivé à un moment donné, he's sure that at a given time, tes ennemis vont replier. Your enemy will withdraw. Que Dieu donne à quelqu'un. May God give to somebody. De ne pas être colérique. Not to be in anger. Que la paix du Saint-Esprit soit votre partage. May the peace of the Holy Spirit be your dans portion. Dans l'adversité. In adversity. Ne sois jamais en colère. Never be in anger. Toutes décisions qui sont prises dans la colère any decision in sont anger des décisions qui vont te mener à l'échec. Will lead you to failure. Toutes décisions qui sont prises dans la colère any decision in sont anger des décisions qui vont te mener à l'échec. Will lead you to failure. C'est pourquoi je déclare à quelqu'un that's what I'm declaring to somebody qui n'a pas la maîtrise de soi who doesn't master himself que le Seigneur vienne lui donner la maîtrise de soi ce matin. May Lord give him que le Seigneur lui donne un cœur de paix give him a heart of peace afin que sa vie soit une vie qui apporte la solution, for his life to be a solution et non une vie de querelle au nom de Jésus-Christ. Not a life of quarrel in the alléluia name of Jesus. Amen. Le deuxième point, the second point dans l'adversité, in adversity, c'est résister avec une foi ferme. Resist with a strong faith. 1 Pierre 5, 9. 1 Peter 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas seul à vivre cette situation que tu vis. You're not alone going through this kind of situation. Avant toi, il y a eu des veuves. There were widows before you. Avant toi, il y a eu des malades. There were sick people before you. Avant toi, il y a eu des personnes qui ont divorcé. There were divorced men before you. Avant toi, il y a des personnes qui ont été accusées. Some have been abused before you. Parfois, quand je regarde sur les réseaux sociaux, sometimes when I watch the social media, et que je vois certaines accusations, and I see some accusations, je suis en paix. I'm in peace. Parce que je dis, because I've said, il y a des personnes qui ont été accusées, some have been accused, qui ont réussi leur ministère. Who resist and succeed in the alléluia ministry. Amen. Ce que tu vis, tu n'es pas le seul à le vivre. You are not the only one going through ce what que going tu through vis, tu n'es pas la seule ou la première personne qui est en train de vivre la situation. You're not the first one going through your il situation. Il y a des personnes qui souffrent quand tu regardes leur visage, toi-même tu as froid. Some suffer when you see them, you son really visage feel est dur. Their face is hard. Ils aiment quand on les voit souffrir. They love being seen in suffering. Faut mieux faire envie que faire pitié. You want to be in vain of faut mieux in faire pity envie que faire pitié. It better give parce que than si chacun veut s'asseoir pour t'expliquer son problème, if each one want to expose je pense his que tu as payé le transport de ceux qui viennent. You'll pay the transportation of those ta coming situation que tu vis the situation going n'est through pas pire que la situation que quelqu'un au milieu de nous est en train de vivre. It's not worse than the one somebody mais ce has que tu dois faire, but what you have to do, c'est résister. To resist. Résister, c'est ne pas céder. Resist is not to ne give up. Pas céder aux oppressions. Don't give up the oppression. Ne pas céder aux troubles. Don't ne give pas up the céder à ce que vous vivez. Don't give up to what's going que through votre pensée soit au-dessus de ce que vous vivez. May your thought que be votre above mentalité what soit forte. May your mindset be strong. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas fort dans l'adversité, if you're not strong in adversity, tu vas vite mourir. You will live and die. Life, die quickly. Je parle à quelqu'un, je déclare. I'm talking to somebody, tu I'm ne céderas pas à la pression. You'll not give up to, tu ne seras pas troublé. You'll not be troubled. Tu ne seras pas troublé. You'll not be troubled. Bien au contraire, c'est dans l'adversité que tu deviens plus beau. You have become c'est dans l'adversité que ta santé est solide. Your health is je parle et je déclare. I say and I declare. Effraie tes ennemis avec ta force. Effraie tes ennemis avec ton mental. Effraie tes ennemis avec ce que tu as. Ne te laisse pas toucher. Tu deviens invincible à partir d'aujourd'hui. Je sème dans ton esprit la force du Saint-Esprit. Je sème dans ton esprit un mental fort. Un mental fort. Un mental fort.
mindset. Tu ne céderas pas. You will not give up. Tu ne céderas pas. You will not give up. Tu ne seras pas déstabilisé. You will not be unsettled. Satan aime quand tu es déstabilisé. Satan loves when you are unsettled. Satan aime quand tu n'as plus de force. He loves when you don't have Satan any strength. Satan aime quand tu passes tes nuits à pleurer. He loves when you cry. Satan aime quand tu passes tes nuits à te lamenter. Satan loves when you Mais je parle à quelqu'un, je déclare. But I'm saying, I'm declaring. Pendant que l'ennemi viendra t'acculer avec des pensées démoniaques, je te vois en train de parler en langue et dis à l'ennemi, je ne céderai pas la pression. Je ne céderai pas la pression. Je t'entends parler en langue. Je t'entends être arrêté et dis aux ennemis de ta destinée, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Parce que je suis fort. Je suis fort. I am strong. Je suis fort. I am strong. Et je suis courageux. I am courageous. Alléluia. Amen. 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 Pour être la femme d'un homme de Dieu, to be the wife of a man of God, faut être forte et courageuse. You must be strong and courageous. Parce que si tu n'as pas ça, because if you don't have them, ceux qui viennent, those coming, ils viennent pour te déstabiliser. They come in to unsettle you. Je bénis le Seigneur. I bless the Lord. Le Dieu de ma formation. The God of my training. Il m'a formé jusqu'à ce que je. He trained me to a certain level. Je ne sais même plus si je vis. I even don't know if I'm still living. Je sais pas. I really don't know. Souvent il y a des situations, papa un peu calme, il dit mon ami. Sometimes the situation. C'est quoi le souci en fait? I say, where's the trouble? Non, il y a ça, il dit que vieux, laisse ça. I say, man, give it up. Give it up. On a appris que chaque temps, yes, so we'll chaque minute, time, each minute, chaque heure and each hour, peut faire de nous des personnes de valeur. Can make us men of value. Dieu, si tu veux t'asseoir sur ça, tu es en train de gaspiller nos minutes. If you want to sit on it, we waste alors our que minutes. Tu peux aller te battre quelque part pour m'acheter un sac à main. You can fight and buy a handbag for me. Alléluia. Alléluia. Amen. Faut pas gaspiller le temps. Don't let's waste time. Il y a trop de choses sur la terre so many things on pour earth. Qu'une personne vienne nous déstabiliser. For somebody to come je ne suis plus déstabilisable. I can no longer je be suis indéstabilisable. Mon be esprit est formaté. J'ai dit à mon esprit que rien ne te touche. J'ai dit à mon corps que rien ne te touche. J'ai parlé à mon âme que rien ne te touche. Qu'il soit des milliers, qu'il soit 10 000, qu'il soit 20 000, qu'il soit 50 000. Ce que je sais, c'est que moi je reste arrêté et à ma gauche et à ma droite et ils tomberont. Je ne tomberai pas, je ne resterai pas à terre, je ne tomberai pas. Ce sont eux qui tomberont, ce sont mes adversaires qui vont tomber, ce sont mes ennemis qui vont tomber. Moi, je suis arrêté, je suis planté, planté dans le sang de Jésus, planté dans la parole. Dieu, combien de personnes ont essayé de nous toucher? How many people try to touch us? Et puis qui sont chez eux, qui nous regardent. There are two men looking at us. Et ils voient que je suis devenue encore plus belle. We see that I'm more beautiful. Combien de personnes ont essayé de nous toucher? How many try to touch et lorsqu'ils ont essayé, when they try, et quand ils se mettent devant leurs écrans, when look at the screen, ils voient que Dieu nous a poussés à bâtir quelque chose d'exceptionnel. Personne ne doit t'arrêter. No sois focalisé. Aie les yeux sur ce que l'Éternel t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? C'est ça qui est important. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais c'est ce que Dieu pense de moi. Si tout le monde me quitte, que je n'ai pas Jésus, je suis perdu. Mais si j'ai Jésus, Jésus est le Dieu de mon histoire. Jésus est le Dieu de ton témoignage. Jésus est ton Dieu. Quel que soit ce que tu as vécu comme difficulté, ne cède pas la pression. Don't give up to pressure. Il y a des personnes. If there are people. Il y a des personnes autour de nous. There are people around us. Ça les amuse de nous mettre
la pression. It's a job for them to give us pressure. Moi aussi, je vais m'amuser. I'll also play. À leur montrer que Dieu ne m'a pas abandonné. To show that God didn't give him up. Donc toi, tu te réveilles un matin. When you wake up this morning, tu vois deux personnes qui sont en train de se battre ensemble. You see people fighting together. Depuis 20 ans. Since 20 years. Et ton rêve. And your dream. C'est de les mettre sous pression. Is to put them under pressure. Tu vas faire un AVC. You'll have a stroke. Parce qu'il y a longtemps, même j'ai parlé à la pression. Because a long time ago I spoke pression, regarde-moi bien. Pressure, look at me. Toi et puis moi. You and me. On passe pas sur le même chemin. We don't have the same way. Des gens veulent te mettre sous pression. People want to put you under Il y a pressure. Des hommes qui dans leur tête. There are men who in the head. Ils réfléchissent comment est-ce qu'ils vont mettre leur femme sous pression. They're plotting how to put Aujourd'hui, under pressure. Je parle pas à elle. Today I'm not speaking with her. Si elle prépare, je mange pas. If she cook, I will not eat. Si je sors, je lui dis pas où je vais. If I go out, I will not tell her. Mami, prépare ton riz. Cook your rice. Mange. Eat it. Ah ah ah. Quoi? What's up? Petit mariage, je suis venu faire là. Donc c'est pour ça que tu veux me stresser. La nuit, je suis malade. Le matin, je suis malade. Toujours c'est moi qui bois médicaments. À cause de quoi? À cause de l'amour, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Femme de miracle, ne cédez pas à la pression. Homme de miracle, ne cédez pas à la pression. Est-ce que vous voyez combien de personnes comptent sur vous? Vos enfants comptent sur vous. Your children count on you. Vos employés comptent sur vous. Your employees count Vos on frères you. Comptent sur vous. Your brothers Vos count parents on you. Comptent sur vous. Your husband count Pour on des you. Hommes, For men. Vous allez mourir et ils vont faire comment? You'll die, how are we going to manage? Il y a des gens là, c'est à cause de toi qu'eux ils mangent. Some eat thanks to you. Tes employés là, ils mangent à cause de toi. Your employee can eat Maintenant tu vas you. Te donner une pression inutile. And you'll put in useless Et puis pressure. Tu es malade, tu meurs. Mon ami, on fait quoi? Réveille-toi. Wake up, please. Je ne sais pas si tu as ton patron à côté de toi, mais dis-lui, patron, réveille-toi. Ask your boss to wake up. Parce que si il meurt, tu es foutu. If it Combien over. De personnes comptent sur toi? How many Et puis tu vas te laisser mourir. Combien de personnes comptent sur toi? Et puis tu vas te laisser avoir un AVC. Je déclare au nom de Jésus-Christ que nous sommes forts. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Est-ce que tu peux crier? Je suis fort. Rebosakata baba baba. Je ne céderai pas à la pression. Est-ce que tu peux le dire? Je ne céderai pas à la pression. Je ne céderai pas à la pression. Pendant que tu es en train de le dire, Dieu utilise tes paroles pour faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. La société nous donne des pressions. Society brings us pressure. Tu n'as pas d'enfant. You don't have children. Tu n'as pas ceci. You don't have this. À partir d'aujourd'hui, From today, c'est pas un problème. It's not a problem. Que tu aies des enfants ou pas, May you have children ce or not. Que Dieu a dit va se réaliser. What God said will come true. Arrêtons de nous focaliser sur ce qu'on n'a pas. Let's, Regardons ce qu'on a. Et je viens demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? What do you have? Qu'est-ce que tu as qui peut te faire bénir le Seigneur chaque matin? Qu'est-ce que tu as qui peut te faire glorifier Dieu chaque matin? Qu'est-ce que tu as qui peut te permettre de rire chaque matin? Regarde ce que tu as et contente-toi de ce que tu as. Ce que tu n'as pas n'est pas ton problème. J'ai un mari, je suis heureuse. J'ai des enfants, je suis heureuse. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui m'aiment, je suis heureuse. Je ne suis pas née pour faire l'unanimité. Qu'on m'aime ou pas, ce n'est pas mon problème. J'ai quelques personnes qui m'aiment. Bishop Ouattara Mohamed Idriss est obligé de m'aimer. Le docteur, il est obligé de m'aimer. Vous tous qui êtes ici, vous êtes obligés de m'aimer. Bon, si moi j'ai tout cela avec moi, de faire quoi? What can I do? C'est quoi qui va me faire pleurer? What can make me cry? Aïe! Mais j'ai vous!
mais tu as ton papa. You have your father. Tu as ta maman. You have your mother. Tu as ton épouse. You have the Pourquoi wife? Vous voulez vous casser la tête pour ce que vous n'avez pas? Why do you want to have a headache for what Nathan, you don't have? Mais la vie même est bizarre. Life is really weird. J'ai soif. I'm thirsty. J'ai de l'eau. I have water. J'ai pas le coca. I don't have the Coca-Cola. Mais si j'ai pas le coca, je bois l'eau. If I don't have Coca-Cola, I drink water. Pourquoi on se contente pas de ce qu'on a? Why do you only take what you have? C'est ça qui est le problème en fait. That a problem, in fact. Si chacun se contentait de ce qu'il avait, if I could take what he had, on allait être en joie. We'll be in joy. J'ai dit aux femmes, il nous faut vivre le test de l'amour. We must lead the test of the love. Ce qui rend les gens sorciers, what made men weak, c'est qu'ils ne se réjouissent pas de ce que les autres ont. They don't rejoice from what other people have. Cette année, this que year, dans ton cœur, tu acceptes quand quelqu'un est béni. Quand tu vois else, la voiture de ta sœur, célèbre-la. Au milieu de nous, j'étouffe toute voix de sorcellerie qui combat la joie des enfants de Dieu. Au milieu de nous, j'étouffe toute voix d'hypocrisie. J'étouffe toute voix qui parle pour voler les bénédictions. Dans cette église, nous serons tous bénis. Dans cette église, nous serons tous heureux ensemble. Je me réjouis de la bénédiction de mon frère. S'il a eu pour lui le matin, mais j'aurai pour moi le soir. Joy for the blessing of my brother. Alléluia. Est-ce qu'ils ont dit que quand lui, il a eu pour lui le matin, là, l'usine où on vend les voitures est fermée? À cause d'une seule voiture, il roule. True. À partir d'aujourd'hui, nous ne vivons plus sous la pression. No longer live under nous pressure. Sommes des femmes et des hommes libérés. Men and women are released. Quel que soit ce qu'on pense de nous, on s'en fout. Nous sommes libérés. Libérés de toute pression. Libérés de toute accusation. Libérés de tout murmure. Libérés de tout mensonge. Ce que les autres veulent penser de nous, qu'ils le pensent. Mais nous sommes libérés. We are Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Can somebody celebrate God? Amen. Le point 3. The third point. C'est minimiser l'ennemi. To minimize the enemy. Nombre 13, 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Qui t'a dit ça? Who said it to you? Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tu ne seras pas dévoré. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous les rabaissons au nom de Jésus. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Moïse les envoie explorer Canaan. Moses sent to explore Canaan. Ils arrivent là-bas. They got there. Et puis voici le compte-rendu qu'ils font. Every report. L'objectif de Moïse, the purpose of Moses, était qu'ils aillent explorer, was for them to go and explore, pour aller vivre là-bas. And to go and live there. Maintenant, toi, on t'envoie. But we send you, tout ce que toi, tu as vu, all that you saw, tu n'as pas vu le lait, you didn't see the milk, tu n'as pas vu le miel, you didn't see the honey, tu n'as pas vu tout ce qui attire, you didn't see all, tout ce que tu as vu, all that you saw, c'est des géants. It's the giants. Et puis nous, on était petits. And we were small. On était comme des sauterelles. We were like locusts. Tant que tu ne minimises pas l'ennemi, as long as you don't undermine the enemy, il sera toujours plus grand que toi dans ton esprit. You will always be greater in your spirit. Dans l'ennemi, in the enemy, vois ce que tu n'as pas. See what you don't have. David a vu en Goliath, David saw in Goliath la fille du roi. He saw the daughter of the king. David a vu son avenir dans Goliath. David saw his future in Goliath. Quand il a regardé Goliath, when look at Goliath, différemment à ce peuple, differently from these people, David lui l'a vu des victoires en Goliath. David saw victory in en him. Voyant tes ennemis, by seeing your enemies, ne vois pas leur taille, don't only see the ne height, vois pas la proportion de l'épreuve, don't see the promotion, mais vois ta victoire après avoir remporté l'épreuve. See the victory after overcoming. Si ceux-là étaient partis, if they were left, et comme compte rendu,
And as a report, ils avaient dit on a vu le lait. They saw il y avait la nourriture. We have food. Il y avait de belles maisons. We had nice houses. J'allais t'encourager. Or I've been encouraged. Mais toi tu t'en vas. But you went. Tout ce que tu as remarqué, all that you noticed, c'est la maladie. Is the disease. C'est au village ils vont me tuer. In the village, we're gonna kill si ils vont au village ils vont finir mes if enfants. I go to the village, tout my ce que tu as remarqué, all that you noticed, c'est négatif. Is negative. Et ça rend grand tes ennemis. And make je déclare au nom de Jésus-Christ que Jesus, dans ton esprit tes ennemis ennemis soient petits. May your enemy be small in the mouth. Que les sorciers de ta famille deviennent petits devant toi. May the sorcerer become à partir d'aujourd'hui, ne sois plus effrayé. Don't be frightened. Ne sois plus intimidé. Don't be intimidated. Tu peux voir leur taille. You can see the height. Tu peux voir les dégâts qu'ils ont pu faire. You can see the damage they made. Mais en eux, but in them, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, tu auras ce que tu recherches depuis longtemps. You'll have what you look for. Tel David a fait tomber Goliath. And David made tu Goliath feras fall. Tomber les géants de ta vie. Les géants dans ton projet, les géants dans ton entreprise, les géants dans ton entourage, les géants là où tu travailles, tu les feras tomber. Et c'est toi qui seras célébré, c'est toi qu'on élèvera, c'est à toi qu'on donnera la promotion. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce qu'ils avaient fait avant toi, ils ont détruit des hommes, ils ont tué des personnes dans l'entreprise, ils les ont rendus malades. Mais toi, cela ne t'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Si tu travailles avec des sorciers, à partir d'aujourd'hui, domine dans ta tête. Parce que tu vas au travail avec la peur. You go to work with the fear. Mais comment est-ce que tu pourras les vaincre? How can you overcome them? Toutes les fois où tu entres dans l'entreprise, anytime you get in the company, proclame que tu es plus grand qu'eux. Proclaim that you're greater si than tu them. Connais leur nom, if you know the name, j'imagine, je donne un nom. Just a name. Peut-être que celui qui te combat dans la société s'appelle Joseph. The one ahead you is Joseph. Quand tu rentres dans la société, when you get in the company, à la porte de ton entreprise, at the door of your company, tu parles et tu déclares, you speak and you declare, Joseph, je te rends petit à mes yeux. Joseph, I made you small. Tes œuvres ne me toucheront pas. Your word will not touch tes me. Actions ne me toucheront pas. Your doing will not je touch déclare me. Qu'avant la fin de l'année, I declare before the tu end tombes of the c'est moi qui domine. You fall and I rule. Tu tombes c'est moi qui domine. You fall and I rule. Quand tu verras tes ennemis petits à tes yeux. Tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Il te donnera des marchés étonnants. Il t'ouvrira des portes étonnantes. Parce que ceux qui sont à la porte de ta destinée, ceux qui sont à la porte de ton succès, ceux qui sont à la porte de ton élévation, ceux qui sont à la porte de ta promotion, tomberont au nom de Jésus-Christ. Personne n'est plus grand que toi. Personne n'est plus sage que toi. Personne n'est meilleur que toi. Tu es plus grand que tous ceux avec qui tu es. Tu es plus grand que tous ceux avec qui tu travailles. Tu es plus grand que les sorciers de ta famille. Spirituellement, tu es la plus grande. Spirituellement, tu as tout ce qu'ils n'ont pas. Si tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, dis avec moi, je minimise mes ennemis. Je minimise mes ennemis. Alléluia. Avant-dernier point. The point before the last, lorsqu'on est dans un environnement où on a des adversaires, when we are in an environment with adversaries, il faut être intelligent. You must be smart, intelligent. Amen. L'intelligence intelligence est une grâce. Is a grace. Il y a plusieurs personnes. Many people qui sont venus vers nous came to us pour nous faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. To do imaginable thing to us. Quand je me retrouve dans ce genre de combat, when I'm in such a fight, je dis Madame Jaji, I say, Mrs. Jaji, malheureusement pour eux, unfortunately for them, je suis intelligente. I am intelligent. Et là où ils m'attendent, and where they are waiting for me, ils ne me verront pas. They will not see me. On va lire un verset biblique, s'il let's vous plaît. Read a verse. Genèse 26, 12, 22. Genesis 12, 22. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière.
Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. L'objectif de l'ennemi, the purpose of the enemy, c'est de t'arrêter. Is to stop you. Plusieurs parmi nous ont des projets. Many among us have projects. Mais peut-être que vous avez travaillé avec des gens certainly work with men, qui ont volé, soit volé votre projet, who stole your project, soit détruit votre projet. Or destroy your project. Ce matin, this morning, j'ai envie de vous dire, I'd like to tell vous you, êtes intelligent. You are smart, ne clever. Vous arrêtez pas à ce niveau. Don't stop at this level. Là où ils vous attendent, where they're waiting qu'ils for ne you, vous trouvent pas là-bas. Let them not find you there. On a vu avec Isaac. We saw it with Isaac. On l'a chassé. Il allait encore refaire un autre puits. On l'a chassé. Il allait encore refaire jusqu'à ce qu'il trouve sa paix. Till he found his peace. Si ça a échoué hier, if it fell yesterday, s'il y a eu des méchantes personnes autour de vous, wicked person vous êtes plus intelligent qu'eux. You are clever than allez-y, them. Essayez encore. Go ahead and try again. Ne vous arrêtez pas au niveau où ils vous ont détruit. Don't stop at the level that allez-y, essayez encore. Go and try again. Que personne ne vous arrête. May no one stop que you. Personne ne vous détruise. May no one destroy que you. Personne ne vous décourage. May no one discourage si Isaac you. Était découragé, Isaac il n'aurait plus prospéré. Not have been et sa vie se serait arrêtée au niveau où il a eu ses ennemis. And his life will have mais Isaac a regardé l'opposition. Et il a dit, mieux je quitte. And he said, I have je vais faire ailleurs. I go somewhere else. Va faire encore ailleurs. Go and try somewhere Dieu else. Bénira ce que tu vas débuter. God will bless Dieu bénira tes entreprises. God will bless your Dieu company. Bénira ton intelligence. God will bless your Dieu fera de nouveau avec toi. God will ils seront étonnés. They will be astonished. Ceux qui ont pensé qu'ils t'avaient détruit. Tu viendras you. Et le Seigneur te rendra supérieur à eux. Lord will make ils ont volé dans tes caisses. Ils ont volé ton argent. They stole your money. Ils ont volé ton produit. Project, mais tu es sur le point de te restaurer avec ce qui t'a donné you. Comme intelligence. C'est tes potentialités qui te nourriront. C'est ce que Dieu a mis en toi qui te bénira. Si tu you. Ne considères pas les talents que tu as, tu ne vas pas devenir prospère. Dieu t'a donné des talents. God gave you some skills. Dieu a mis quelque chose en toi que you. Tout le monde n'a pas. S'il te plaît, please. Va encore puiser. Go and ta prospérité en dépend. Ta joie en dépend. Ta paix en dépend. Va encore puiser. Et de ce puits, je le déclare, tu auras ce qu'aucun membre de ta famille n'a eu. Tu surpasseras ceux qui t'ont détruit. Tu surpasseras ceux qui ont pensé qu'ils t'avaient arrêté. Je te vois les dépasser. Je te vois aller de l'avant. Je te vois être plus grand qu'eux. Je les vois confondus au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a été détruit? Tu destroyed. N'as pas le droit de t'arrêter. Tu right n'as pas le droit de t'arrêter. Right tu n'as pas le droit de t'arrêter. Right tu n'as pas le droit de t'arrêter. Right je stop. Parle à quelqu'un. Ne somebody. Laisse pas ton intelligence à terre. Ne bafoue pas ce que Dieu a mis en toi. Ne bafoue pas you. Tes capacités. Ne bafoue pas ce que tu as. Ce que tu as fera de toi quelque chose de grand. What au nom de Jésus-Christ. Et ce que tu as have, te donnera un nom dans cette nation. Will give you a name in this nation. Hier, j'ai demandé aux femmes yeah, the qui est-ce qui a quelque chose en son nom what ou à sa marque. In his name or with his il n'y en avait brand. Pas assez.
Je refuse qu'au milieu de nous, I refuse that in the midst of us, on parte sans qu'on ne parle de nous. We leave without que l'Éternel rende votre nom grand. May Lord make your qu'il name rende great. Le nom de votre entreprise he grand. Make the name au nom de Jésus-Christ. Soyez connus de tous. Soyez connus par tous. Soyez une référence dans cette nation. Quand on chercherait un bon informaticien, qu'on le retrouve au milieu de nous. Quand on recherchera une bonne trésorière, une bonne comptable, une bonne secrétaire, une bonne gestionnaire, une bonne esthéticienne, une bonne femme d'affaires, qu'on la retrouve au milieu de nous. Les épreuves que tu as traversées t'ont formé, les épreuves que tu as traversées t'ont donné une intelligence qui est supérieure à leur intelligence. Et ils ne savent pas comment est-ce qu'on se comporte quand tout va mal. They don't know how to behave when everything is alors que toi tu as appris you have to learn dans tes épreuves in your trials, comment est-ce qu'on fait pour se relever. How we manage to et ils up. Ne savent pas ça. They don't know that. Et ils pensent qu'ils ont volé ton projet et qu'ils vont rester project. À ce niveau. Mais toi, à partir de cette épreuve, je trial, te vois bâtir plusieurs entreprises. I can see you building many parce qu'à partir de maintenant, les now, épreuves t'ont donné la capacité de faire au-delà même de ton entendement. Toi-même, tu n'imagines pas ce que Dieu a mis en toi. Vas-y. Fais encore. Do again. Vas-y. Go. Fais encore. Try again. Vas-y. Go. Fais encore. Try again. Et au travers de ce que tu feras, Dieu word, rendra ton nom grand au nom God de Jésus-Christ. Le dernier Jesus. Point, the last point, c'est être dans le jeûne fasting, quand la situation vous dépasse. When the situation être dans le jeûne et dans la prière. Esther 7, 7, 3 à 10. From 3 to 10. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. » Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. » Et le roi, dans sa colère, se leva, quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin, du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi ?» Dans le palais, dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, voilà le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pense Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la situation te sera favorable. The situation be favorable to you. Il y aura retour à l'envoyeur. We'll be back to the sender. À cause de ton jeûne et de ta prière. Because you're fasting and prayer. À cause de tes combats. Because you're your battle. À cause des prières que tu mènes dans le secret. Because of your secret. À cause du fait prayer. Que tu te lèves la nuit pour parler à Dieu. Because the Father speaks to God. Il y aura changement de situation. Ceux qui en veulent à ta vie, ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Ceux qui en veulent à la vie de ta
tes enfants, ils tomberont au nom de Jésus-Christ. Ceux qu'ils veulent voir dans ta vie, je déclare qu'ils le verront. Notre Dieu est un Dieu bon. Il nous sauvera de nos ennemis pour que nous puissions dominer en cette année 2024. Je déclare que tu es plus fort dans l'adversité. Tu es plus forte dans l'adversité. Tu es plus fort que tes ennemis. Tu es plus fort que tes détracteurs. Quel que soit leur nombre, tu es plus fort qu'au nom de Jésus-Christ. Tu ne faibliras pas. Tu ne seras pas à terre. La position qu'ils veulent te donner, au nom de Jésus-Christ, tu ne l'auras pas. Je te vois tête dressée, tête relevée devant eux. Tes ennemis mordront de la poussière. Ils mourront à ta place. Ils seront humiliés à ta place. Ils seront renvoyés à ta place. Le Dieu d'Esther, le Dieu des combats, le Dieu qui sait confondre l'ennemi est avec toi pour te donner la victoire. Si tu le crois, crie Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, Éternel, dans l'adversité, je suis fort. Au nom de Jésus-Christ, je ne faiblirai pas. J'ai un mental fort. Au nom de Jésus, mes ennemis seront dans la honte. Mes ennemis seront dans la confusion. Pendant que moi, l'Éternel me relèvera. Il relèvera ma tête. Et l'on dira, assurément, l'Éternel est avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.